Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier. Car ses paroles ont embrassé mon cœur. Mon renommé, la joie de vivre. Allumant la flamme du vrai bonheur. L'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras. Amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à cette matinale de prière du jeudi 21 août 2014. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale. Chers frères, chères sœurs, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 42 à 51. Voici ce que dit ce texte. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Oh, mon maître est tard à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ces derniers viendra le jour où il ne s'y attend pas et
à l'heure qu'il ne le connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chers frères, chères sœurs en Christ, ce matin, nous sommes en face d'un avertissement sur l'attitude qui est la nôtre, celle qui est la nôtre, en ce temps d'absence physique du Seigneur qui est pourtant présent en esprit. Le Seigneur nous interpelle chacun sur la vigilance qui doit être la nôtre en ce temps d'absence. Et pas simplement la vigilance à laquelle nous sommes appelés à être et à garder, mais il y a également ici l'assiduité dans la gestion, dans le traitement, dans l'œuvre que nous devons assumer sur ce que le Seigneur nous donne comme travail. Il est dit que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mais la question est, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Cela suppose, si c'est heureux ce serviteur, que l'on trouvera à la tâche, en train d'assumer, n'est-ce pas, la tâche de faire le travail qui lui a été confié, il sera heureux, ce serviteur, parce qu'il sera établi sur plusieurs autres biens. Nous sommes donc appelés à demander au Seigneur aujourd'hui la capacité à être assidu à sa tâche, à l'étude de sa parole, à l'étude et de ses enseignements, mais en même temps, d'être ceux-là qui parviennent à rester vigilants en permanence, pas pendant un temps, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons passé une nuit, les uns mal, les autres bien, mais pour nous qui nous sommes réveillés ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, parce que ta parole nous interpelle, de nous aider. Aide-moi, aide également tous ceux qui croient en toi, tout au long de cette journée, à être entièrement assidus à la tâche qui leur a été confiée, à être entièrement assidus à la lecture et à l'étude de la parole, mais également à être vigilants à tout moment, parce que tu es celui-là qui peut arriver à l'improviste. Aide-nous donc à être ceux-là qui peuvent répondre présents à ton appel à tout moment. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Bien aimé, que cette mélodie...